Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je dis à Jésus Créationnel, sous bien Angie André Lacayo. Moi, je viens enseigner un projet qui est super facile. C'est un élastique pour cheveux que moi, je puisse mettre un vibe là-dedans, mettre un design là-dedans. Okay? Si vous avez un reste fil que vous pas utiliser, si vous avez un élastique pour cheveux que vous avez un ennuyeux, juste une couleur, ou faire en noir, mais pour avoir du volume. Ouais, pour avoir du volume. Projet ça, un monde qui fait commencer, qui a commencé dans le projet, c'est un projet qui est super facile, mais qui aide tout pour pratiquer point. Pour nous pas l'utiliser, c'est. On a utilisé deux points basiques, mais en gros, c'est mieux sur le point que l'on utilise. On va continuer à vivre. On dit qu'on est couché, on a déjà reconnaître ça. Ok? Donc, on va commencer. Pour le projet, c'est là. Généralement, on m'a dit que bon, de nos jours, on va utiliser comme ça encore. De nos jours, on va oublier que accessoires pour cheveux avec plus de volume, c'est eux-mêmes qu'on a utilisé. Donc, ça, c'est une belle option. Premièrement, pour pratiquer crochet ou bien pour un passe-temps. Ok? Deuxièmement, et pour capable avoir accessoires au volume, bien bah, un autre vibe. Ok? Un autre mood. Ok, pour nous réaliser le projet, ça, on a besoin d'un élastique pour cheveux, on a besoin n'importe quel fil crochet, là, on a un fil algodon, il n'est pas rouge, c'est un saumon foncé que je crois, c'est une couleur, déjà qu'il ne va rien quoi. On a besoin d'aiguille crochet, ça, c'est une aiguille artisanale 3,5 mm. Bien sûr, on a besoin de ciseaux pour couper ce fil là. Et puis, pour nous commencer, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire, on a besoin d'un marqueur. Un marqueur pour connaître qui côté qu'on commence, qui côté qu'on finit, peu importe le projet, parce que le projet n'a pas fait en deux, ça, on peut faire de façon infinie, mais c'est plus conseillé pour faire et pour connaître, pour faire main chaque ronde que vous faites. Bon, nous allons commencer. Pas gagnant quantité de points basiques pour que vous commencez. C'est vraiment un projet qui est super libre. Et j'aimerais dire, hein, c'est un projet pour vraiment pour pratiquer le crochet, pour pratiquer les mailles en l'air, pour pratiquer un demi-point. Mais c'est pour pratiquer le point vraiment. Donc, nous allons commencer avec le projet. D'accord? Pour nous commencer, super facile. On va faire la vidéo un petit peu intuitivement. Ok? Donc, on va faire un main en l'air. Point général, pour qu'on rende compte de ça, point que nous parle, qui a travaillé là, pardon, c'est un bride, ok? Dans l'esprit, ma pensée à Barita. Barita, c'est comme on dit en espagnol. Pour qui pas connaît, actuellement en Argentine, à Buenos Aires. Mais c'est un plaisir de partager connaissances ou bien si bagaille, si quantité de bagaille que moi apprendre dans la prochaine. Quand nous parle commencer projet ça, nous avons un main en l'air, non? Point de base, là. Moi, je conseille de commencer surtout si vous avez parti ça, non? Et non. La cycle là, commencez puis près deux parties qui gagnent, disons, métal là. Qu'on soit pas qu'à élargir, élargir trop, la cycle, ok? Pour pas mettre la cécité. Ça que je fais, je vais gagner comme ça, on va bien facile. On va coller, fil ça. On va faire un demi-point. Juste pour capable de connecter fil là avec la cycle là. On va faire un main en l'air. Et à partir de là, on va mettre quantité, sans que je ne pas élargir la cycle là, on va mettre quantité bride. Que je suis capable en dedans la six pour capable mettre bridio pour mon qui a 5 commencé par monter nos combris dans 7 1 2 vingt 3 fils au prochain espère que nous voyons bien vingt 3 fils au prochain moi prends 2 fils en 3 fils yo le thème 2 et puis moi prends dernier fil de ça nous pas trop tirer sous la six nous nous pourrons mettre quantité de bride que nous trouvons qui est juste dans l'élastique noir. Ok? Pour une dernière fois, je vais vous montrer un petit peu le processus de bridage. C'est un point qui fait qu'on commence. Parce que c'est un projet qui est vraiment idéal pour qu'on commence à pratiquer le bridage. 1. La compte des mouvements. 2. 3. Je vais 3 fils. Sur l'aiguille, je vais passer le fil là, je vais prendre 2. Le thème 2, je vais passer le fil là encore. Ok? Là, on va le mettre sans pas oublier, pas trop tirer sur l'élastique là. Mettez quantité de bride sous l'élastique pour que, premièrement, couleur l'élastique va apparaître. Ça, c'est un. On va le faire tirer sur lui, mais pas trop. Pour que couleur l'élastique va apparaître. Et puis, deux, pour remplir. Je vais montrer nous là. Ou on est capable? On est capable? Ou absolument pas connaître qui couleur l'élastique que moi utiliser. C'est un mot que je vais utiliser. Je vais montrer nous. C'est un mot que je vais utiliser. Ok? Donc, on va mettre bride sous l'élastique. On allez. On va voir les mots arriver. Non, l'autre point. On va mettre quantité de bride qui est nécessaire. Ben voilà, là, mon gâteau fini rempli, cercle moins. On va mettre quelques brides encore, parce que si j'ai regardé les couleurs là. Mais ça va pas important, on va pas insister sur lui. Là, on arrive dans l'extrême ça. Pour mon qui a commencé, moi, comment on dit, nous allons utiliser un épingle, nous allons utiliser ça, c'est un marqueur. Il y a le marqueur de paix là, alors aussi. Pour mettre dans la tête, dans chaque début de, et on y a pour qu'on ait qui est au fini. Nous allons utiliser ça, bien, puis devant. Ok? Là, on va le fermer et on ça. Simple, pas grand peu sur le dessus parce qu'il va paraître vraiment. On fait un demi-point. On défaite les pour montrer nous. On fait ça, on gagne là comme ça. Dans le premier, peut-être que je gagne. On entre 8 mois dans tous les deux. On prend fil. Il vient sortir et on passe dans le deuxième. Ok?
Donc, moi, j'ai un honte qui est parfait. Nous allons commencer deuxième. C'est trois une semaine à le faire ensemble avec et pour nous gagner un bel volume résultat. C'est super facile. Ok. Nous allons faire un bride. Nous allons profiter de montrer nous une façon pour que leur travail en haut ou capable faire un bride qui pas fait que, ou qui pas obligatoirement trois mains en l'air que généralement tout le monde fait. Ok. Alors, nous allons faire. Nous allons profiler. Au profil, vous faites pour faire un demi-bride. Ok? Demi-bride ou demi-point. Ok. Un profil sur le prochain. Un passel. Ok? Il y a trois fils sur le prochain. Et puis, moi, passer fil là dans tout. Pour le cas de hauteur, un bride normal, moi, fais un main en l'air. Kevin Bailey, hauteur bride normal. Mais si vous bien regardez les différents. Les différents assemblages fait ça. Qui c'est généralement comment nous commencer et remplacement de bride. Nous fait trois mains en l'air pour remplacer et bride. OK? On va le faire encore, on capable ouais. Donc c'est un bride pour le faire. On prend fil. Moi passe le. Je ressors, il y a trois fils sur lui moi, on prend tous les trois ensemble. Et puis moi fais une main en l'air pour balle hauteur. Et on bride. OK? Dans le deuxième round, qui ça nous va le faire? Dans chaque espace si là yo, dans chaque espace si là yo, nous allons faire trois brides qui va commencer par la signe volume. OK? Donc puisque nous ici la première bride déjà, nous allons faire un deuxième bride. Et un troisième bride. OK? Un troisième bride. Ça va le bailler volume. Nous allons faire ça dans toute nous allons faire ça dans toute rangée à trois brides dans chaque espace. Trois brides dans chaque espace. M'expliquer que au parti prend un gros tonton de lastique hein, pour cheveux parce que là j'en ai pas bien bagaille pour faire pour si m'a pas dit au début non pas c'est Saint-Fleur on dit. OK m'expliquer que au fini avec deuxième on a mais moi fini nous voit que il commence à prendre une autre forme. OK il vient commencer gain parce que c'est des volants comme les gens voulaient des petits volants etc. Bon nous pourrons le faire, nous pourrons le faire, troisième et dernier round, c'est un projet qui est super facile. Nous savons comment on a fait ça la dernière fois. On va le faire, mais on a. Nous pourrons le faire en demi-bride. Et puis, encore une fois, nous pourrons le mettre trois brides dans chaque espace. Dans chaque espace que nous allons mettre trois brides. Ça va le faire que l'épaule baille plus volume. C'est ça va le faire que l'épaule gagne plus volume. Technique ça, nous allons utiliser le taux pour nous faire fleur. Vous faites des points de base et vous mettez trois ou quatre brides ou bien demi-brides. Oui, demi-brides. Et puis la baille sort gagne à mon an plus volume. Ok? Là, par contre, l'homme fini, par contre, c'est la baille. Bon, on connaît le résultat, c'est la baille. Tout volume ça, même c'est sûr que l'épaule baille un baril différent, bien différent à simple. La signe nous gagne peut-être là. Ok? Ma continue de travail, moi-même. Et puis, n'a pas le nous. Il vient en troisième rangée avant que nous finissions. Ok, moi fini avec troisième rond. Et c'est là que nous allons finir. Moi-même, je fini. Et la stick pas maintenant. Là, dans troisième point. Ça me va le faire. Donc, comme je fait tout à l'heure, pour chaque fin de rangée, je vais juste faire des demi-points. Je vais faire les unifier. Je coupe mon fil. Et je crois avoir fini avec la stick. Il y a un projet plus facile que ça, s'il vous plaît, quittez-le en commentaire pour moi. Si nous avons un projet qui est plus facile que ça, quittez-le en commentaire. Quittez-le en commentaire. Ok, quittez-le en commentaire. C'est comme ça, nous finissons avec n'a juste cocheté filio pour fil d'un paparette ou bien après, il y a nous demain, nous ciselons, nous coupons. On va le couper là-dessus, ça. Nous avons fait un dernier point tout au bord. Et c'est comme ça que le résultat est. Nous n'avons pas forcé sous lit. Si nous avons mis plus de mailles, c'est sûr que nous avons gagné une grande différence. Si la pi tout fut, pour ainsi dire. Et puis tout fut. Parce que, premièrement, c'est un petit légèrement plus gros. Désolé. Fait ça légèrement plus gros et puis centre-là gagne plus maille Noël c'est la PC. Donc selon moi justement faire de yon pi tout fut que l'autre mais nous quand même que nous gagnons
un projet qui est assez intéressant sous aiguille. Non pas besoin de Florangi, moi nous apprendre à faire un élastique, mettre design élastique pour cheveux nous. OK? Si vous pas avec couleur qu'a fait le noir ou qu'a mettre le pour vendre ou qu'a mettre dans business pour faire client yo cadeau. Nous connaît que nous tout des cheveux longs ces derniers temps. Mettez à long, mettez tout bagaille gain. Tout pour gain les yeux. Donc nous capable utiliser pour que nous marier cheveux. Nous. Si vous voulez faire comme ça, ou bien si vous voulez faire vraiment une structure, mais on veut que les pattes le plus simple possible, vous pouvez faire une couleur qui est naturelle, vous pouvez faire avec couleur craft. Couleur craft, c'est oh, ok, c'est exemple de couleur qui est dans son moyen, donc vous faites bien bouffé, bien belle, vous pouvez mettre perles là-dedans, vous mettez perles dans un fil là avant même que vous commencez à cocher, puis au fur et à mesure que vous faites, mettez perles là-dedans. Vous pouvez utiliser comme ça, puis fin, pour que vous ne soyez pas les faire trop bouffé, ok? Option 1 ou option 2, ou gagne yon design à mer. Ou pratique bride lan, kon y a bride ou ta souhait sorti le plus parfait possible. En tout cas, nous pas chercher perfection, nous pas chercher amélioration, nous pas chercher progression. Merci parce que vous êtes lancement avec moi. Quittez un commentaire. Nous pas chercher Florangi. Et c'est un plaisir pour que moi, là avec vous, j'ai création à porter chaque semaine pour vous. Yon nouveau vidéo, yon petit projet bien facile, bien belle, pour que vous capable apprendre plus avec crochet. Quittez un commentaire qui type de projet qu'on a réalisé. Valise, rad, généralement nous pas fait rad, mais si vous mandez, si vous avez une quantité et raisonnable de monde qui mandez, nous cherchons une belle tirade et puis nous enseignons un point. Ok? C'est un plaisir de lancer avec vous. Je vais quitter avec un bel élastique accroché. N'après encore.